Le Châtel. Fonction des périodes, il y a plusieurs périodes qui s'entremêlent et qui sont totalement différentes. C'est très 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 dur de comprendre un peu ces choses-là et savoir par où commencer, quoi apprendre, quoi lire. Donc c'est vraiment trop trop vaste. Mais en vrai, si un jour vraiment j'ai les connaissances nécessaires pour vous parler de Warhammer, mais tellement. Mais je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus connaisseuses sur le sujet que moi qui font un travail hyper quali sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je pourrais pas les citer parce qu'en vrai, je j'ai pas le nom en tête. Mais je suis sûre que notre papa patron, MAF, s'y connaît déjà très très bien. Donc voilà. Et ce qui me fait penser que par rapport, en parlant de Warhammer, on va... Ah non, c'est si j'ai un mate avec moi, je pense. Assure-moi que tu as bien choisi l'option plus beau rendu des cheveux. C'est important d'avoir un beau dégradé. Alors, j'ai fait ce que je pouvais. Mais déjà, le jeu, il laguait un petit peu tout à l'heure. Donc, normalement, oui. Regarde, j'ai les cheveux soins. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Et ça, c'est pas avec du Elden Shoulders. Salut, Adad, ça va? RE moderne, j'ai mes dialogues en japonais. À l'époque, on avait que de l'anglais, donc j'en profite. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Oui, oui, faut que je regarde mes touches avant de tuer quelqu'un. Oui, en effet. En effet. Ah, parce qu'en plus, oui, j'avais pas remarqué, mais j'ai pas les munitions... Pas trop de bruit, ça. Pas les munitions illimitées, quoi. Allez, Red, ça va? Il a le poil soyeux. Ah bah, soyeux comme la soie, je vous le dis. Marcello. Pérail. C'est le genre de truc là, en fait. Tout le monde regarde.
Intox qui ont émaillé ce conflit depuis plus d'un an avec une propagande russe, vous allez le voir, qui atteint des sommets de cynisme. C'est un sujet, Nicolas, que tu as préparé avec Hervé Pozzo et Mehdi Kassou. Une énième fausse attaque a été mise en scène dans la ville de Boutcha, dans l'oblast de Kiev. C'est juste de la propagande.